Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, nous sommes le jeudi 5 mai. Et le jeudi 5 mai, que se passe-t-il? Eh bien, nous rentrons dans notre 11e état. Eh oui, 11e état. L'Utah. Eh oui, l'Utah, superbe. Alors, je connais l'Utah parce que c'est la troisième fois que j'y passe. Et c'est vraiment pour moi le plus bel état des États-Unis que je connais. Absolument fabuleux, donc vous l'avez vu, de la montagne. Il faut savoir qu'au centre, il y a la chaîne de Wasatch, la chaîne de Wasatch qui reçoit par an, écoutez bien, 12 mètres de neige accumulée par an. Donc c'est le domaine des skieurs et des amoureux de la poudreuse. Donc autrement, l'Utah, c'est un état de 2 800 000 habitants, donc pas très très grand, pas énormément peuplé. La capitale, c'est Salt Lake, bien sûr, 190 000 habitants. Voilà, et puis un état qui est vraiment aussi connu pour être un petit peu le mythe du Far West et du Grand Ouest avec ses roches découpées. Alors on les voit pas là parce qu'on est dans la partie très montagneuse, mais plus au sud, en descendant vers le Colorado, on va trouver justement toutes ces roches découpées par l'érosion du vent et l'érosion de la pluie, et l'érosion du temps tout simplement. Donc voilà, donc un état absolument fabuleux. Voilà, on va vous faire découvrir tout ça pendant quelques jours. Et on vous parlera bien sûr plus en détail lorsqu'on arrivera à Salt Lake de la capitale. Donc environ dans 2-3 jours, on doit arriver le 8 mai. Voilà, donc je vous fais découvrir les premières images en live de l'Utah. Voilà, salut à tous, à plus tard, bye 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 bye!